Salut à tous, c'est Doussou d'Epoch. On se retrouve ce soir pour un épisode ASMR. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et c'est tout simplement parce que j'en avais pas forcément très envie. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir un booster tempête plasma avec l'illustration de Signe Abras. Voilà, c'est un booster en espagnol qui m'a été offert par Laurine. Donc Laurine, merci beaucoup à toi, c'est grâce à toi qu'on fait cette ouverture. Regardez le dos. Voilà, c'est un booster qui date de 2013. Ça fait déjà 3 ans, mine de rien. Le temps passe vraiment vite. Hop. On va essayer de deviner les Pokémon par rapport à la description en espagnol. Sachant que je ne parle pas du tout espagnol. Voilà. J'ai quelques notions, mais sans plus. Allez, c'est parti. Il est ouvert. Comme le veut le petit rituel, le code, je vous l'offre directement. Voilà. C'est cadeau. Ensuite, je suppose que c'est 1, 2, 3. Enfin, je me souviens des noms français, ça c'est autre chose. Alors lui, si je me trompe pas, c'est Furéclon. Flamoutan. Flamajou. Ouais, Flamajou, je crois. Ok, on va essayer de deviner l'autre. No necessita os porque utiliza ultrasonidas para escutar sus alrededores. Trace vue là. Ok, alors j'ai rien compris à part Ultrasonidas. Je dirais Stonistrel. Ah, non, c'est un petit mot. Je sais plus du tout ce qu'il y a comme Pokémon dans cette série. Ok. Ensuite, un attentif. Patlate. Un Carvana. Ok. Il écrit pareil en espagnol et en français. Modisma Rotom. Petit Rotom. J'aime beaucoup ce Pokémon. On le voit pas assez à mon goût. J'aimerais bien qu'il refasse des Modisma Lavage, des Modisma Tonde. Comme ils avaient fait à l'époque dans les séries Platine, il me semble. C'était sympa, j'aimais bien. Ensuite, un Chimpanfeu. Allez, on va essayer de deviner celle-ci. Alors. Gracias su entrenada musculatura puede plantir vicas de agro sin problema para asistiriba alivicios enteros. J'ai rien compris. On parle de musculation, donc allez, on va dire macho peur. Pas du tout. C'est ouvrivier. En reverse. Minor Rivers, Sheriflore, je crois. Serait beau, Sheriflore, ouais, c'est ça. Et derrière, va-t-on avoir un Dracaufeu Shiny, attention. Pas du tout. Oh, holographique quand même. Et c'est Togekiss. D'ailleurs, en espagnol, c'est aussi marqué PV. Ok. Un Togekiss en holographique, bah, un super booster. Bon, en même temps, on avait très 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 peu de chance d'avoir un Dracaufeu. Montre juste ce petit booster. Ruego de cartes collectionables. Voilà, ces boosters espagnols, je crois qu'on les avait dans les magazines Kit quelque chose il n'y a pas longtemps. Il y en avait plein. Il y avait aussi des destinées futures. Ça s'appelait Proxy.